Allô, test du micro. Ah, bon, je croyais que t'allais faire allô. Allô. C'est Diego. Allô. Picasso na tienda pi. Di son si un fornic. Da di una cerni mi. Presta, presta, no ma no ma e. No ma no ma e. Numa, qui potra aussi dragosta d'inté. Putain, tu te reviens encore des paroles. Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue dans le... C'est à cause des karaokés. Ah putain, c'est vrai que ça tape dans les karaokés. Ça. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le Best of Track 73 de mémoire. Je sais pas. Je sais pas, c'est en train de charger là sur mon téléphone. Comme quoi on est vachement au point quand même. Hein. C'est clair, 70 on, là, best on of tracks. Là on est un peu à l'arrache quand même. Hein. C'est toujours pareil. 70 best of tracks, toujours de la. Ça, la Pink Ladies, la psychédélique, on l'a faite. Eh, hey, je suis bon, hein, on est bien à 72. Je suis fier de toi. Best of track 72, bienvenue pour de la folle. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, je suis allé dans Cré, je sais pas pourquoi. C'est DJ qui l'a dit mal à jouer, alors en plus il se met à créer des pistes. Alors, piloté. On commence par Tropical. C'est pas là. Alors, au pire, tu tapes Tropical dans la recherche. Ou BO. Non, ça marche pas, ça BO. Tropical, ouais, Tropical. 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 De BO Cortif. Alors, par contre, forcément, je mets des circuits de plus en plus durs parce qu'il y a que ça quasiment. Alors, Tropical, ça va être la deuxième de BO Cortif, c'est ça. J'ai fait 45 secondes. Ah non, j'ai fait une 0. Donc, ça doit pas être compliqué. Elle doit pas être compliquée. Pareil, j'ai joué. Pourquoi je suis obligé de la retélécharger? Bon, enfin, ça va, c'est non. Vrai, ah oui, une nouvelle depuis la mise à jour, tu vois, il y a écrit le nom de la piste, Tropical, un speedrun à savoir de Tropique. Mais pas l'auteur. Pourquoi il n'y a pas le nom de l'auteur? Qu'est-ce qu'on s'en fout pour avoir la platine? Tant. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est fou. Voilà. Pourquoi je l'aime bien? Parce que. C'est beau! Voilà, c'est beau. Premier truc, ouais, c'est esthétique. C'est esthétique, haut, c'est beau. C'est l'eau elle est bleue azur. Elle est bleu azur et c'est vraiment cool, c'est chouette. C'est fouillé. C'est fouillé, ouais. Mais c'est esthétiquement fouillé. Ah, on a une belle cascade. C'était entre chute d'eau, cascade. Il va y faire une chute cade. Une chute cade. Une chute cade. Une casse d'eau. Une casse d'eau. Donc, comme d'habitude, Best of Track 72, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous en parler à tous les amoureux de la moto, si ça les intéresse de savoir quels sont les meilleurs circuits qui ont été choisis par deux guignolos qui ne savent pas jouer, hein, ou qui jouent moyennement bien en fait. On représente bien les casual gamers, voilà, on n'est pas les ninjas, on est casual gamers. Mais toujours dans la bonne ambiance, dans l'esprit de Caramadri, et dans la détente et la bonne humeur, alors, c'est tout surtout ça le principal. Alors j'ai des soucis, alors je sais pas si c'est des soucis de framerate ou des soucis de texture qui apparaissent. Mais tout n'apparaît pas. Alors, non, regarde, c'est... Ouais, c'est ça, il y a des putains de clippings. Il y a des putains de clippings parce qu'il y a trop d'objets. Ouais. Et le jeu est mal optimisé, mais ça faut en voir avec Redlinks. Cortif, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu prends de la dog? Non, c'est bien BO Cortif, hein, il me semble, je me suis pas trompé, non? Ou je me suis trompé? Ah oui, mais attention, il est possible que je me trompe parce que grâce à Redlinks, encore une fois, des fois quand tu choisis un circuit, ça affiche le nom de l'auteur du circuit d'à côté. Donc si je l'ai noté à ce moment-là, c'est que c'est le mauvais auteur. Donc si tu connais l'auteur, n'hésite pas à le dire dans le chat pour savoir c'est qui l'auteur. Mais il me semble que c'est Biocortif. Enfin bon. Bon, on peut... Ah non, on peut même pas plus vérifier maintenant. Non, mais ça doit être Biocortif. Hein. Ensuite, The Black Day de McCorenzy. The Black Day. Alors, The Black Day... Ah oui, bon, alors... Tu vas taper McCorenzy ou Black Day? Bah, on fait The Black Day. Ouais. Bah, faut que je tape The... Bah, essaye The Black. Ah oui. Et donc pour. Pas tombé sur un truc bizarre en fait. Non, bah. On n'est pas sur YouTube. Black Cock. Black Cock. Merde. Les 3D. The Black Day. Voilà, c'est ma corinthie. Pour finir mon truc, oui, n'hésitez pas à parler autour de vous, de trial.fr et tout ça, plus la communauté sera grande, plus ça sera génial. Bon, ma corinthie, c'est une valeur sûre normalement. Ma corinthie, c'est une valeur sûre. Non, t'as lancé The Black. The Black... Il était au-dessus, The Black Day, non? C'est moi? Non, non, c'est... Oui, c'est toi, là, c'est toi. C'est la fatigue de toi, là. Vas-y, reviens. Désolé, on a failli faire ton circuit. Tony Danger sera pour la prochaine fois. T'es un salaud. Non, mais comme si le gars, il allait me dire pour regarder...
Alors, ce qu'il faut savoir avec The Black Day, ça a été organisé lors du BCC 3. Lors du Blood Eye Contest, le Blood Eye Creative Contest qui a eu lieu sur Trial.fr, le premier, en fait, ils avaient deux semaines ou trois semaines pour créer un circuit sur thème imposé. Donc, le thème imposé, c'était la cinématographie. Et le premier, il gagnait un jeu, alors, des t-shirts, oui, des lots. Alors, il y a une référence à Armageddon, Minority oui. Report et Independence Day. Ouais, tu vas voir, c'est du Mike Corenzi. Alors, Armageddon, voilà, ok, ça je l'ai. Ok. Independence Day, est-ce que c'est pour l'univers ou... Tu verras, ça viendra, tu verras. Ouh, la tête. Bien, t'étais presque bon. Oh, je me suis dit, je vais passer en mode tranquille, en mode feignasse. Bah, non. Ça... Mais merde. Alors, choisis entre la tranquillité ou le press, parce qu'entre les deux, t'as un mur. Alors, c'est joli, j'aime beaucoup l'univers. C'est bon, hein? Qu'est-ce que c'est? Voilà, oh, bien, ah, t'as vu le checkpoint comment il est? J'avais pas fait gaffe, ouais. Toi, la première fois. Les ailes de X-Wing. Enfin, de B-Wing. Enfin, de T-Fighter. Et j'adore ce. Je sais pas pourquoi il aime autant les trucs colorés. Et il nous place bien les caméras. T'as vu le super Armageddon? Je reviens, je l'ai pas vu. Ah merde, ah, c'est bon. Si, c'est bon, regarde, le rocher qui passe. Tu vois? Oh, dans l'immeuble, ça. C'est excellent, c'est juste qu'est-ce excellent. Qu'est-ce qu'il prend comme champignon pour avoir autant d'idées et autant de couleurs dans sa tête. Mais il le fait pas à jeun. C'est beau alors, c'est... Oui, j'aime ma coco. Alors je sais pas qui a lancé la mouvance. Le premier train... Oh camarade. Je sais pas si t'as vu là, quand le train est passé là, que ça a fait vibrer la caméra. Ça vient d'un des circuits de la Team of Five de la saison 3 où t'as un train qui est passé et ça avait fait vibrer la caméra. Et depuis, dès qu'il y a un train qui passe, la caméra vibre. Ça a été lancé par la Team of Five, ce truc. Mais j'aime, c'est dynamique, c'est beau. La piste, bon, désolé pour l'état de la conduite, mais je regarde tellement. Ouais, c'est ça le truc que je me coince. Bah, Corenzi, mais t'as raté un checkpoint en haut, essaie d'attraper déjà le checkpoint. Ah, oui. C'est super génial. Parce que je suis vraiment en train de regarder. Tu regardes sur le bâtiment, c'est un visage d'alien. Attends, oui, ça y est. Oui. Non, t'as pas le checkpoint. Quoi? Recule, t'as pas le checkpoint. Ah, bah, non, t'as pas le checkpoint, recule. Voilà, là tu l'as. Ah, ok, d'accord. Ah, ce passage, il est trop kiffant. Ouais, alors bravo. Alors j'aime beaucoup l'immeuble qui vibre au passage de l'autre. Ah, tu vois, j'ai... Ça, c'est pas mal. Énorme. Dépendance d'elle, là, je pour vois. Moi, c'est un des circuits, un des alors, meilleurs... Alors, Minority Report. Ouais, là, on va dire là, peut-être. Je sais plus. T'as vu ça en Superman Matrix et ah, tout. Ah, par contre... Ah, tu peux... Ouais. Il peut te... Tu peux forcer une figure. Ouais, tu peux forcer une figure. Ça, c'est pas mal. À la tête. C'est bon, la moto, elle continue. Non, il est impressionnant. C'était un de mes circuits préférés sur le BCC3. Je me dis, mais comment ils vont faire les autres? Comment ils vont faire les autres passer derrière? C'est de la folie. Alors, c'est pas le vainqueur du BCC3. Ah bon, c'est pas le vainqueur? Non, c'est pas le vainqueur. Ah bah, pour l'instant, je suis fan. Hein. Je suis fan de l'ambiance science-fiction. Donc j'adore la science-fiction. Peut-être que ça. Qu'est-ce qui se passe? Wouh! Qu'est-ce qui se passe? Wouh! Allez, monte. Pareil, on a une grande approche et tout. Oh, bravo la caméra! Voilà, ça c'est une bonne utilisation de la caméra. Bravo! Y'a rien à dire, c'est the must of the must of the camarade, must. Camarade Macorenzi. Macorenzi, ça fait irlandais, non? Tu mérites un pouce vert. Bon, je peux t'en donner qu'un, hein, donc t'en auras pas deux. Ensuite, on passe à Nomoni. 2 pouces verts, 4 pouces verts, 6 pouces verts. qu'est-ce que je voulais dire? On passe à Nomoni de Level Dr. Level. Non, Level Dr. Evil Level. Nomoni. Nomoni, money, money. Oui, c'est parce que ça. Non, c'est money, money, money. Non, c'est le truc de là-bas, là. C'est ça! C'est ça, c'est ça. C'est moi, ouais. Pourquoi je mets info sur la piste? Je sais pas. Oh, ouais. Donc, Nomoni. Je suis pas dedans. Allez. Oui, c'est mal fait, hein. Je sais pas si t'as remarqué. C'est assez mal fait. Bah, des fois, tu sais pas ce qu'il y a en surveillance ou bah, pas. Bah, c'est ça. Avec un espace. No money. Et donc, no ça. Money de Dr. Evil. Comme ça. C'est lui qui... Non. Non, c'est pas ça. C'est pas français, merde. Ça fait chier.
Le money, comme ça. Voilà. Voilà. Mais si. Et je suis désolé, je lis absolument pas le chat. Donc dites-moi sur le chat si vous avez un truc à dire, comme ça je vous lirai. Alors, c'est ça, de Dr. Evil. Alors, tu peux y aller. Attila, je l'adore. Attends, il aurait pu dire s'il te plaît. Attila, c'est un maître du jeu de mots. Il fait que ça à longueur de journée. Je le surkiffe, sa race. C'est génial. No Money, de level Dr. Evil level. Tu peux lancer. Level Dr. Evil level. Ouais. Alors pourquoi deux fois level? Pour faire joli, il y en a beaucoup qui font ça. C'est joueurs code, ça, pour faire genre, c'est leur gamer tag, c'est leur team. Ouais. Ils font des petits trucs ça, symétriques. Ouais, ouais. Mais bon. Bon, pouce vert sur ça, vous rigolez, c'est l'exemple de piste dans l'éditeur. Pouce, je sais pas de quoi il parlait. Enfin un live que je peux voir. Bien, merci à toi, Kojo86. Bien, t'es 3 ans moins plus jeune que moi, dis donc. Ou alors t'habites dans le trou du cul du monde. Il habite dans la Vienne. C'est la Vienne 86? Il me semble. D'où tu sais 86? Je sais pas. Pourquoi tu sais là que la Vienne c'est là-bas? Non, c'est pas ça. Moi j'ai pas, moi la Vienne pour moi c'est en Autriche. La Vienne. Ah. Oh. Lui-même. Ah non mais merde, j'espère qu'il y a un checkpoint. Ah, y'a pas de checkpoint, les salauds. Il s'est surpris lui-même. Oh putain, j'ai des skills. Oh. Ah putain. Alors pourquoi j'aime No Money? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. D'or, je dirais. Mais tu vois, il a refait un Fort Knox en or. Avec des pièces vraiment, vraiment, vraiment super, j'aime bien. Faut que j'arrête, je m'auto-bam. Man, ban. J'ai bien 28 ans et je suis bien de la Vienne, à côté du Futuroscope. Ah putain, alors il est né en 86, il habite dans le 86. Et tous les ans, il change de département. Ah, donc, tu vois, et qu'est-ce qu'il c'est? Donc tu vois, j'ai... bien la Vienne, donc le 86. Bravo. Et donc, mais c'est à côté du Futuroscope. Oui. Et ouais, j'adore le Futuroscope, j'y suis allé une fois avec l'école quand j'étais en 6ème. Et une fois quand j'étais adulte. Et c'est vachement bien. Ah, par contre, tu sais, ils sont loin. Ouais, donc concentre à échelle. Tu peux l'avoir. Ah non. Dommage, tu vois, tu commences à voir le truc. Ça, je commence à le maîtriser à peu près. Salut, Révan Pacratier. Mais dis, il y a du monde ce soir. 41 personnes qui regardent. Wouh. Donc, 40 personnes qui vont se foutre de ma gueule. Voilà, c'est skill. Ça. Ok, d'accord. Okay. Un paquet de popcorn, de chips et tout ce que tu veux. Là. Je vous adore. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, en moyenne, mes vidéos sur YouTube, je fais entre 100 et 300 vues sur une vidéo quelconque. Mm. Et je fais toujours entre 1000 à 3000 vues sur un best of track quand il sort. C'est la puissance de nous deux. Je mets 20 ans là pour arriver là-bas et pour me viander comme une merde au bout là. Oui, ça fait déjà. Oui, ça serait bien que t'avances pour voir les autres circuits. Ah, je passe là. Non, mais pourquoi je passe pas? Une danse psycho pour. Pour fêter quoi? Oui, bah ça y est, c'est dansé, ça y est. Le mec il se manque jamais, moi non plus je me manque jamais. Tu te manques toi des fois? C'est quoi ça? Ah vas-y putain. Je vais pas rester bloqué là-dessus quoi. Mais ouais c'est débile, en plus on a plein d'autres circuits. Avec moi le best of track dure longtemps. Ouais c'est fini. C'est fini, je fais plus d'ellipse hein. Les best of track c'est devenu une vidéo d'endurance. T'as tout ça pour ça quoi. Et tu finis dans un coffre, ouais. Fort, ouais, qui ferme. J'aime beaucoup. J'ai fait une fois 220 personnes sur Twitch, mais j'ai une technique spéciale. Ah oui, mais non, mais sur YouPorn, ça compte pas. Si tu montes ta bite ou ton cul, c'est sûr que tu vas te visionner pas mal. Ensuite, on passe à Devil's Landings. Ou une bonasse avec des gros boobs. Ouais, non, j'ai pas de gros boobs. Enfin, si, j'ai des gros boobs parce que je suis un peu obèse, mais... Boobs. Evie, tu peux pas juste te placer juste comme ça, mais juste avec ton décolleté, pas besoin du reste. C'est comme ça. Et tu fais... Non. Bon, next. Devils. Essaye de taper Devils Landings. Alors, Devils... essaye Devils, tout quoi. Déjà, voir si ça tombe dessus. Devils Landing. Devils et des villages. C'est ça. C'est de qui? Kalinus. Un bon petit créateur qu'on a fait beaucoup sur Evolution. Kalinus. Ah, ça... C'est tiré du Pokémon? Ah non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas un Pokémon qui s'appelle. Il n'y a pas un truc comme ça qui s'appelle, pas un Pokémon qui s'appelle comme ça? Kalinus Minus, Kaliminus. Kaliminus. C'est un Pokémon, Kaliminus? Non. Dites-moi dans le chat, aidez-moi. Tu crois? Défendez-moi. Oh, Défendez-moi. Alors, Devil's Landings. Très, 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 très joli. Très joli. Très joli. Très joli.
Alors. Ouh. J'avais ma meuf qui boffait en string derrière moi, ça aide beaucoup. Bah voilà, voilà, c'est ce que je disais. J'essaierai de faire un truc en string, peut-être que ça marchera. Kai Minus. Ah oui, c'est pas Kali Minus, c'est Kai Minus. Ok. C'est un Pokémon bizarre. Genre tu vois, là, ce que j'aime bien avec les pinèdes qu'on voit au fond. Avec les quoi? Les pinèdes. Ah, la pinède, tu veux dire. Oui, la pinède qu'on voit au fond. Oui, parce que les pinèdes... On se croirait presque au Canada dans un épisode de Stargate. Parce que je sais pas si vous avez vu, hein, dans, de toute façon, dans chaque épisode de Stargate, quand ils visitent chaque planète, ils ont tous les mêmes pins. C'est chaque planète extraterrestre a toute une forêt de pins canadienne partout. Vive le Canada. Ils se sont exportés partout. Ça, c'est beau. Bravo. C'est beau, hein, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la piste est cool. Sans prise de tête. J'ai failli dire sans prise de tête, hein. Alors là, ça va, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez là? Ouais. Salut à toi, AZ Toshiro. Alors, je peux pas lire ton message, sinon ça coupe Twitch. Je lirai ton message après. AZ Toshiro, autre grand rider créateur d'ailleurs de sur 360 et grand membre ça de Trial.fr. Pourquoi je passe pas cette merde là? C'est clair, je me demande pourquoi tu la passes pas cette merde. Tu l'as bien formulé la phrase, excellemment bien formulé la phrase. Ouais, bah j'aime bien compliquer la vie. Ah merde. Ah. Oui, il y a plus de pain. Oh, l'éclair. Joli, hein. C'est très joli. Tu vois, avec les... Tu vois, c'est très con, hein, mais tu vois les oiseaux là qui volent au fond. Ça tient à rien et c'est très très cool. Ouais, mais ça va être galère à faire un éclair. C'est pas simple. Surtout pour 0,4 secondes et qu'il apparaît à l'écran, quoi. Allez, ensuite on passe à une. Attention, elle a été longtemps considérée comme une des plus belles du central. Ah. Considérée une des plus belles du central. Et c'est Zombie Avenue. Donc si tu tapes Zombie, ça devrait passer. Elle a été assez longtemps considérée. Elle a détrôné une piste de Dragon Mickey qui était très très belle. Il a détrôné un français interdit. Je sais pas si Pure Evil est français. À quand une course sur le thème du saucisson? En plus, il y a plein de formes géométriques. Hein. Saucisson, béret, baguette. Et ben voilà pour le BCC4. Pour le Blood Collective Contest. C'est bon. Ah. Alors, Zombie Avenue, dessin. Oui. Il y est pas. Parce qu'il y a des trémas. Sinon, tape. Il y a des trémas. Vraiment. Bah, c'est rapide. Ouais, il y a un tréma au tout début. Symbole. Guillemets, je veux dire. Pas qui. Guillemets. Voilà. Non, guillemets. Voilà. Essaye comme ça. Comme ça? Non, un seul. Mets-en un seul. Voilà. Essaye comme ça. Je crois pas. Fais confiance. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le mot entier. Et comme le tréma, il est collé au Z, ça, il considère que c'est un mot. À force de faire de l'informatique. Ah, apparemment, selon Taikila, c'est toujours la plus belle du centre. Ah, c'est pas facile. Mais tu vas voir. Elle est... Alors, en vidéo, franchement, comme je le dis souvent, en vidéo, ça rend pas sur YouTube parce que ça dégrade énormément la qualité, ça dégrade le contraste qu'on nous, on a directement sur la télé. Elle est juste monstrueuse. Regarde tous ces objets qui sont créés. Une horloge... Des planches de bois dans un jeu où il n'y a pas de bois. C'est ça qui est fort. C'est énorme. La profondeur cinématographique du truc. Oui. Tu as des petites maisons, des rochers. Des... Il a sublimé tous les objets à sa disposition. Bon, tu regardes en dessous. Non, en dessous, c'est rien. Oh, il y a peut-être un secret, vas-y. Non, c'est dans le trou d'après. D'accord. Raté. C'est le trou d'après. Il y a peut-être un secret. Attends, je vais passer cette fois-ci. Non, tu fais juste. Ah, tu fais juste bouffer, d'accord. Mais il a pensé à le mettre. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Eh mais non, j'arriverai jamais à passer ici. Ça y est. Là, je dis pas que t'arriveras jamais à passer ça. Là, je passe. Attention, y'a pas de checkpoint. Ah, j'ai pas vu, regarde les mecs qui te regardent au mais fond. Mais ta race, quoi. Quoi? Ah, y'a ça, y'a. Des mecs qui te regardent au fond. C'est des mecs? Ah putain, je pensais que c'était des. Regarde, avec la lumière qui fait peur à travers la brume, la croix qui que t'as. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu trouves pas? La maison qui est détruite, on est vraiment dans une ambiance zombiesque. Last of Us, il peut se rhabiller, quoi. C'est un truc de dingue. Je vois Trial. Regarde, il a refait une cabine anglaise.
Je sais pas comment il a fait. Avec le téléphone, on peut mettre des pièces et tout. Je sais pas comment il a fait. C'est juste incroyable. Bah, ça, incroyable. Ça doit faire partie du truc, non? Non! Je sais pas comment il a fait. C'est juste incroyable. Incroyable. Regarde! Un truc de saucisson avec une main qui est ensanglantée. Je sais pas. Il a fait des planches de bois. Hein, les gars, il y a du bois. Hein. Ah putain, moi je regarde le décor. Avec le pont en. Oh, regarde avec l'eau qui sort là du. Ouais, avec l'eau qui sort. Il y a tellement. Oh, attends, je vais arrêter de. Il y a tellement de détails dans cette piste. Des lampadaires londoniens et tout. En bas, ouais, j'ai vu. Le gars, il t'a fait un DLC à lui tout seul en fait. T'as créé un DLC à lui tout seul. Ah, à lui, il a refait un éclair par contre. Alors est-ce que c'est. Avec la maison en ruine, les gouttières, avec le mec qui te regarde. Enfin, les zombies sûrement qui te regardent. Les mouches. Il a refait un DLC à lui tout seul. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue, c'est fort l'idée. Hein. Il y a des maisons comme ça que tu peux faire non, un trou non. dedans. Non, en fait, il y a plein de ruines et il a refait la maison avec. C'est violent, violent. Ouais. Déjà, c'est spot, il y a pièce et il ira plus vite. Je regarde les. Faut le dire, je regarde aussi la piste. Bah, c'est donc, ça le truc. Quand c'est je ça, joue, truc. Donc. C'est ça le truc. Alors, on passe à Idyll de Isis Princess. Alors, tape Isis. Est-ce que ça trouve les mots, hein, les noms de créateurs? Je crois pas, on avait essayé. On avait essayé. Pas. Alors c'est Idyll mais avec des trémas. On fout un tréma? Non, pas un tréma, un guillemet. Alors guillemet, I, D, Y. Deux L. E, guillemet. Non, avec un guillemet à la fin. Sinon il n'arrivera pas à trouver. Voilà. Recherche. J'ai fait B. Putain. Ouais, voilà, de Isis Princess. C'est un grand, grand créateur, Isis Princess. J'aime beaucoup. Le maître des détails, c'est clair. C'est clair, si tu accroches au prochain Call of Duty, je pense tu en mettre quelques vidéos sur ta chaîne. Oui, 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 je ferai, mais uniquement le solo. Je ne comprends pas l'intérêt du multi dans les Call of Duty. Mais si, le prochain mais Call of Duty, ça a l'air sympa, là où tu fuis avec t'es un voleur. Ouais, mais j'aurais Destiny à ce moment-là. Non, je comprends pas l'intérêt dans les Call of Duty du multi. J'adore le solo parce que c'est un énorme film hollywoodien qui est vraiment. Bah, moi, le solo il se passe à Séoul au début là. Voilà, ça se passe en Corée donc on est fan de la Corée donc on peut y aller. Ouais. Donc, ça c'est Idyll de Isis Princess et voilà, alors, on est dans un Idyll. Le contraste hyper éclairé devant et relativement sombre à l'arrière. Et tu vois, avec le contraste de lumière qu'il a réussi à faire, il a réussi à donner une espèce de texture un peu différente à l'herbe. Tu vois, elle est un peu différente l'herbe. Je sais pas si tu sens le truc. Oui, oui, un petit peu, oui. Ah, il a fait une montgolfière. Ouais, mais ça va encore, la montgolfière, tu sais, tu fous un ballon dans le ciel parce qu'il y a des formes géométriques. Oui, mais bon, il y a pensé. Quoi. Il y a pensé, c'est vrai. C'est vrai, tu fais bien de le notifier. Il y a des gros bugs de micro, c'est tout à fait probable, le micro déconne sur Kinect. Tu pourras revoir ce best of track sur ma chaîne YouTube en HD avec une meilleure qualité, sans bug de connexion ni bug de voix. Bouze. Bisous. Bouze. Pourquoi je dis bouze? On peut c'est vrai. On peut pas dire qu'on a pas de bons créateurs sur One. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur 360. Alors, et le dernier qui s'appelle Meltdown. 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 Apparemment, c'est une grosse boîte sur Paris. J'y suis jamais allé. J'ai tout le temps de dire ouais, les gars, on passe une soirée au Meltdown. J'y suis jamais allé au Meltdown sur Paris. Apparemment, c'est une grosse boîte à la mode en ce moment. Oui, tu sais? Ouais, je connais ça. Ah bon? C'est une boîte de geek. C'est en haut. Non, c'est vrai. Ah ouais, c'est une boîte de geek. Moi c'est Kawak. Melt, alors M-E-L-T. Down, D-O-W-N. Melt c'est broyé, non? Ouais c'est ça. Tout melté. Donc Meltdown c'est broyé. Je crois. De Kushland 604. C'est ça. Kushland 604. D'ailleurs il apparaît où dans les. Le nom du créateur. En haut à gauche. Ah oui, ok, c'est fait. File comme une flèche. C'est pas qu'elle est moins bonne. Comment dire, je compare pas une piste entre elles pour le même créateur. Ouais, elle est moins bien que la précédente. Elle est moins. Il a essayé de faire une autre univers dans une autre optique. Et en fait, c'est comme comparer Call of Duty avec un Mario Kart. Tu peux pas comparer vraiment. Ce... Mais non, tu peux pas vraiment comparer. Comment c'est beau! Regarde comment c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau!
C'est pas beau. Regarde, c'est beau. Attends, faut dire que j'arrive pas. C'est pas grave, regarde, c'est beau. Et fuck you la banane. T'as vu, c'est... T'as vu, c'est beau. Oh, par contre, elle est dure. Ah non. Mais pourquoi je passe d'un coup tout seul là? Ah oui, parce que j'ai... T'as vu, c'est beau, j'aime beaucoup, beaucoup l'obscurité. Il a juste fait ressortir le rouge de la lave volcanique en fusion des pierres. Ouais, ça fait un peu Mars. un peu Mars. C'est ça, ouais. Et avec le ciel bien rouge sang et la... Ouh, par contre, elle est dure. Par contre, elle est pas aisée. Si tu le passes d'un coup, ça passe. Les décors sont beaux, mais les courses sont un peu courtes quand même. Alors oui, il y a deux choses. C'est qu'en fait, plus les circuits sont beaux, plus la complexité arrive au max. Et là, forcément, la ligne de course, il faut qu'elle soit raccourcie. Et deuxième chose, les gens préfèrent une course entre 30 secondes à 1 minute plutôt que des longues courses de 3-4 minutes, tout simplement parce qu'ils aiment bien runner et faire le meilleur score. Et c'est toujours plus agréable de recommencer une course qui fait 30-40 secondes, entre 30 secondes et 1 minute, d'essayer de la refaire en boucle pour faire le meilleur score, que de faire une course de 3 minutes et de se viander à la fin pour refaire 3 minutes en fait. C'est pour ça que les courses ont tendance à se standardiser entre 40 secondes, je dirais, et 1 minute 30. C'est à peu près le standard des courses quand tu les fais en ligne droite sans faute. Non, j'ai bien enchaîné là, mon Laïus. Ouais, t'as failli mourir. Est-ce que t'as pas respiré? Alors, elle est sympa. j'aime beaucoup. Tu vois, les doigts dans le nez. Argent. Et je crois que c'était la dernière. Des renvois de romanisme. Eh, hey, c'était la dernière. T'attends un autre bain ou t'es ou pas? Quelle heure il est? Oui, oui, du bon coup, ouais, s'il est pas trop long, ça va. Bah, ça, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ah, tu m'as préparé quoi, surtout ça? On va voir. On se retrouve tout de suite. Faut que je le clôture celui-là. Merci d'avoir suivi ce BOT72, c'est un régal, c'est une joie, c'est toujours pareil, donc je vous remercie pour tout ce... Ça fait, c'est une... C'est ça, ouais, ouais. Ok, d'accord. Tout ce bonheur que vous pouvez m'apporter, et rendez-vous au Best of Track 73 avec toujours 7 circuits d'enfer et plein de bonne humeur. Et mon super ski. Et son super ski.